Hmm? And Bobbit? C'est bon. Bonne manière, je crois qu'on n'est pas seul. Qu'est-ce que c'est que ça? Les enfants plus. Et voilà. Oh! Yeah.
la bagarre, pitié du temps. Je suis maudit, d'accord. Mais t'es chaud? J'ai très mal là et là. D'accord. J'ai chaud. T'es chaud? Un peu de fièvre, 37,6. Mets-toi un film. Tu veux qu'on regarde un épisode ensemble? Ouais, j'arrive, attends. Je prends la petite quête. Et voilà. Si je suis dans la métadona, je ne vois rien. Gan, plutôt, je me fais arrêter. Thank you.
récupérer une goutte. Remarquez, c'est pas comme si c'était possible. Ah, tu dois être arrivé. Dites-moi tout. Voilà ce que j'ai. Hey. Je vais voir ce que je peux faire. Information pour vous. Il se passe des choses dans le... Commonwealth. Vous avez déjà vu... Vous savez le vieux bateau? Celui qui est perché sur le toit d'un building dans le centre-ville. Eh ben... Si j'étais vous, je m'en approcherais sous aucun prétexte. Il faut l'éviter à tout prix. Comme le reste du centre-ville d'ailleurs. Parce qu'on m'a dit, c'est la zone. En fait... Le navire est toujours entier. C'est sûr. Il est plus à la même place. Et maintenant, il est encastré dans un autre bâtiment du centre. C'est vraiment étonnant pour un vieux bateau d'époque. Pour n'importe quel bateau d'ailleurs. C'est la vie dans le Commonwealth. Enfin, voilà. C'était ça l'information du jour. Je crois que je vais passer de la musique. Si quelqu'un m'écoute encore, voici les Ink Spots.
serait beaucoup plus agréable sans cette lumière en pleine ronge. Que vous nous boufferez. Ce serait dommage de gâcher ça, pas vrai. Oh là là. Ça va le coco? D'entendre une bonne nouvelle. Si jamais, je sais pas. Vous l'avez pas encore vu. Enfin, moi je l'ai vu. Non, je sais que c'est vrai. C'est pas juste une rumeur. Valentine est revenu à Diamond City. Il avait disparu un moment, alors certains ont pensé que. Je parle pas de moi, hein, attention. Ouais. Ils ont pensé qu'il était peut-être mort. Ou détruit. Je sais pas comment. Content de vous revoir parmi nous, Nick. Si on s'est jamais parlé, une seule fois. On remet une couche de Butcher Pit. Et ben voilà.
Le Mich, quoi. Devenir copain. C'est pas la poussière qui manque ici. J'arrive, je regarde un petit film, j'ai faim. Three.
chambre dédiée à Edebot. Alors ça c'était Billy. J'ai entendu parler d'une chose qui s'est passée dans le Commonwealth. Deux personnes en discutaient l'autre jour et je crois qu'elles n'avaient même pas trop bu. Alors il y a un vieil asile là-bas, Parsons, je crois. Il est super glauque. On sait qu'il ne faut pas s'en approcher. Il paraît que c'est bizarre. Et c'est ce que j'ai entendu dire alors. Il paraît que des pillards l'ont attaqué. Et je sais pas pourquoi. Voilà le plus étrange. Trop bizarre. Personne ne sait trop comment on va en parler. Vite. J'imagine qu'il s'est passé quelque chose. Non ? Ça peut être assez grave. Un truc terrible. Bref, c'est vraiment étrange, vous trouvez pas? Voilà, c'était les informations. Revenons à la musique maintenant. Dans cette chanson, Sheldon Alban demande à sa copine de quitter son abri anti-atomique. Franchement, si il voulait l'avoir à ce point, il aurait dû être dans l'abri avec elle, non? Je sais pas. Tellement perdu niveau culturel quand les bombes sont tombées. Ça fait plaisir de voir quelqu'un qui s'y intéresse.
J'ai votre costume, Kent. Et deux ou trois petits souvenirs qui devraient vous plaire. Ah, voilà enfin le costume de Silver Shroud. Il est encore plus beau que sur les affiches. Et des objets collecteurs en plus. C'est trop beau pour être vrai. Avec ça et la mitrailleuse, tout est paré. Alors, il y a un vieil asile là-bas. Parsons, je crois. Tenez. Après toutes ces années, Silver Shroud renaît enfin de ses cendres. Mais j'ai pas l'étoffe de Silver Shroud. Pourrait être Wright Reinhardt, ou son majordome, Jarvey Blake. Mais Silver, c'est la force incarnée. Je sais pas.
Ne soyez pas si... Je sais qui devrait porter. Ça vous dirait de devenir Silver Shroud? Vous avez déjà... Je veux bien en être, mais... Si vous avez vraiment besoin de ça, j'imagine que je... Eh bien, d'accord. Le costume et la mitrailleuse sont à vous. Vous allez patrouiller dans les rues de Good Neighbor et dès que j'entends parler d'un crime sur ma station radio... Si vos cartes de visite, en quelque sorte. Laissez-en une sur place chaque fois que vous rendez la justice. Comme ça, tout le monde saura. Les criminels ont du souci à se faire! Kent. Ouais. Écoutez la radio, Silver Shroud. À savoir. Vous passez du bon temps à Good Neighbor. C'est pas une ville comme les autres, hein. Désolé, patron, je savais pas. Polly, c'est ça. Hé, hey, Irma, vous aimez la déco? Mon associé déteste. Mais entre nous, elle est un peu coincée. La mort. L'esprit est une chose physique. Et vous avez fait la chose. Non. Faites attention. Tout ce que tu veux, ne me tue pas, pitié. Pathétique, mais tellement... Comme c'est vous qui le portez. Le terrible barbe de la maigre ne vaut guère plus que... Vous me faites bien rire, les deux. Des justiciers, vous? C'est à mourir. Et c'est moi qui suis prévisible, en plus. Vous êtes une belle paire d'imbéciles. Pourquoi cette hilarité soudaine, Fahé? Tu es à la merci de Silver Shroud. Tu ne peux plus m'échapper. Pourtant, tu fanfaronnes comme le dernier des bienheureux. Ce n'est pas vraiment ce qu'on attend d'un maître du crime. Je te le fais pas dire. Maître du crime, moi, t'es complètement à l'ouest, Silver Crook. Docteur Amari. Vous avez osé...
appel à tous les fans de Silver Shroud. Préparez-vous à l'annonce du siècle. Silver Shroud est de retour et il va faire le ménage dans cette ville. Bah merde alors. Silver Shroud en personne. Oh. Pour Madame Selmy et son enfant pour une poignée de capsules. L'heure du châtiment a sonné, Wayne. S'abattre sur moi. C'est un costume de Silver Shroud. Quand les criminels envahissent les rues de Boston, un justicier solitaire sort de l'ombre pour protéger les innocents et faire régner la justice. Cet ange gardien s'appelle Silver Shroud. Épisode d'aujourd'hui, le mécaniste tombe le masque. Mais je suis aussi bon avec un flingue que sur la table. Mais ce meurtre inutile n'arrive pas à la cheville du maître du mal qu'est le mécaniste. Maître du mal, moi ? Détrompez-vous, maîtresse du mystère. Pas mal. Ce que vous appelez le mal est ça doit valoir de la thune, ça. Le chemin de l'illumination. On va faire ami-ami, toi et moi. Moi, et moi seul, le mécaniste, suis capable de saisir toute l'étendue. Il est temps que tu paies enfin pour tes crimes. C'est quoi ton problème? Tu veux t'en prendre quelques-unes, c'est ça? Mon cher, tu vas crever. Attention. Vas-y. Génial. Grande nouvelle. Silver Shroud a déjà rendu la justice.